Il y a quelques mois, je faisais un tour dans l'usine. Et j'ai rencontré un employé que je connais bien, Jean Brodeur, qui lui-même m'a présenté un nouvel employé, Martin. Puis Jean m'a confié à ce moment-là que Martin, c'est son fils et qu'il a été engagé spécifiquement pour prendre sa relève. Ce que j'ai découvert par la suite, ça m'a vraiment époustouflé. J'ai découvert que le père de Jean, Rénal, a aussi travaillé à CE pendant 42 ans. Jean lui-même, de son côté, il va fêter son 35e anniversaire de service en 2024. Ce qui veut dire, si on fait le calcul, ça fait plus de 71 ans que CAE fait partie de la vie de la famille Brodeur. Pour moi, j'étais tellement touché par cette belle histoire que je tenais qu'on souligne la famille Brodeur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va surprendre Jean en compagnie de son père et de son fils. Alors venez avec moi, on va rencontrer Rénal et on va surprendre son fils dans le coup. Allons-y. Ben oui, bienvenue à CAE. Vous aurez peut-être dit bonjour chez vous. Ça l'a déjà été pendant ben longtemps. Oui. Tu connais-tu ce beau bonhomme-là? Ben oui, ben oui, ben oui. Martin, salut, bonjour. J'aimerais ça qu'on retourne en bureau. J'ai une couple de petites surprises pour vous autres aujourd'hui. Allez, on est bon pour ça? Ben oui. Allons-y. Alors, bienvenue. Maintenant, on est dans le bureau. Hein. Puis, comme je l'ai dit, j'ai quelques surprises. Mais avant ça, je veux parler d'histoire. OK, on va savoir. Fait que, peut-être commencer par vous, Rénal. Comment vous avez entendu parler de CAE à l'époque? Puis, pourquoi vous avez décidé de commencer à travailler ici? J'étais allé au lac Saint-Denis pour les auxiliaires de la Air Force pour des vacances d'été. Là, j'ai rencontré le sergent Denoncourt, puis en lui ayant dit que je ne pensais pas que je retrouverais ma job en revenant, il dit, ben viens faire application à CAE, puis on verra. Okay. C'est demain que ça a commencé. Incroyable. Ça, je veux qu'on le répète, parce que quand on se promenait, vous êtes rentré à mon bureau, vous avez reconnu quelque chose. Parce que vous avez pris une photo, je dis vous, toi, Rénal, tu as pris une photo qui est légendaire à CAE, fait que raconte. Ah, bien, quand CAE a décidé de s'agrandir puis de venir jusqu'ici, ils sont venus pour bâtir le plan, faire la première pelletée de pelle dans le coin du bureau là-bas, à terre. Puis moi, j'étais là avec la caméra à ce moment-là. C'est vous qui avez pris la photo. C'est moi qui ai pris cette photo. La première pelletée ici. Ouais. Qui était ici, au coin de mon bureau. Oui, sur le coin du bureau, ici. Incroyable. Ça, je ne savais pas. Avez-vous rencontré Ken Patrick? Oh, oui. Oui. Comment il était, lui? Ah, il était très... Je dirais qu'il vous ressemblait. Ah, bien ça, c'était intéressant. Avec toi, Jean, te rappelles-tu ta première visite à CAE? Oui. Oui. La première visite à CAE, bien sûr, c'est avec mon père. Ouais. Je pense que c'était dans le temps de Noël. Justement, je comptais ça tantôt, là, l'ancienne cafétéria où est-ce que Paolo et eux autres. Et puis les ça, c'est clair dans ma tête, là. De voir les biscuits sur la table. Je suis un jeune enfant, là. Puis que t'as le droit d'en prendre un qu'un, là, tu sais. Ouais. Mais oui, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours resté CAE. Mais je travaillais ailleurs. Je suis un gars qui a fait beaucoup de choses. Puis mon intention était de venir travailler à CAE un jour. C'est incroyable qu'on peut garder, tu sais, puis alimenter cette passion. Ça peut rien qu'être une passion de travailler ici. Hein? Oui. Puis toi, Martin, continue l'histoire. Qu'est-ce qui... Moi, j'ai commencé à CA. Dans le fond, on venait à la fête des enfants, la Noël. Ah, dans la fête des enfants, OK. Puis avec le temps, il m'a dit, tu veux-tu devenir bénévole dans les journées? Puis je suis venu bénévole, puis j'ai vu c'était quoi vraiment. C'est une famille, en réalité, CA. Okay. C'est vraiment une famille. Puis j'ai vu tout ce que la compagnie faisait. Puis j'ai dit, si un jour je peux, j'aimerais ça venir ici. Puis de fil en aiguille, avec le temps, s'est ouvert un poste. Puis il m'a dit, tu veux-tu, là, c'est le temps, si tu veux appliquer. J'ai appliqué, puis me voilà aujourd'hui ici. Moi, j'ai toujours dit, si tu peux créer un environnement où c'est que les gens sont contents d'aller au travail, passer leur temps, tu travailles pas dans ce temps-là. C'est comme n'importe quoi. Quand tu aimes faire ce que tu fais, bien, les journées, tu ne les vois pas. Elles sont jamais assez longues. Ouais. J'avais posé la question, ça veut dire quoi pour vous, CA? Mais moi, ce que je comprends, Martin, puis je pense que j'entends de vous autres, c'est une famille, finalement. C'est un tout. Autant à votre niveau à vous, qu'au mien. Je vous ai même remercié de l'ouvrage que vous faisiez.
parce que il y a un début. Le début, il est là. C'est grâce à ça, ben, tout le monde est content, tout le monde travaille, on est heureux et puis... Bien, merci. Moi, je suis très fier de ça, puis très fier de vous rencontrer. Je vous remercie encore. Puis là, passez une couple de petites surprises pour vous. Okay. Ça fait qu'on peut passer à ça. Oui. Voici. La pièce de résistance, maintenant. Parce que je pense que, vous l'avez pas fait souvent, on va aller faire un tour de simulateur. Ah ben? Oui. Merci à vous. Ouais, c'est vraiment cool.